Mesdames et messieurs, nous parlons ce matin de la filière gestion, précisément de la spécialité comptabilité et gestion des entreprises, l'une des spécialités les plus fournies en termes d'effectifs au niveau du brevet des techniciens supérieurs. L'objectif de cette formation, la spécialité comptabilité et gestion des entreprises, a pour but de munir les étudiants des connaissances et savoir-faire leur permettant de conduire, de traduire de manière comptable toutes les opérations commerciales et financières et d'établir les documents correspondants, d'analyser les informations dont ils disposent pour préparer les décisions de gestion. Les compétences recherchées, compétences génériques. Il faut avoir une bonne compréhension de l'environnement économique et des entreprises. Maîtriser l'outil informatique. Maîtriser la communication écrite et orale. Être capable de diriger une équipe de travail. Compétences spécifiques. Réaliser la gestion des opérations comptables, fiscales et sociales. Tenue des livres comptables. Élaboration des états financiers, analyser la rentabilité des activités de l'organisation, élaborer les budgets et suivre leur exécution, centraliser, organiser et redresser les comptabilités des entreprises, collaborer efficacement avec le chef dans la gestion de l'entreprise, contrôler et planifier la production, maîtriser les logiciels de base de la comptabilité, déboucher. Avec un BTS en comptabilité et gestion des entreprises, le diplômé peut être comptable en entreprise de petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, collaborateur comptable en cabinet, assistant comptable dans les grandes entreprises, gestionnaire de la paie, responsable comptable, trésorier, contrôleur de gestion, etc. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce qui est de la comptabilité et gestion des entreprises. Nous vous remercions. Rendez-vous sur notre plateforme UGET bas de 8. Institut universitaire des grandes écoles et tropiques sur la page Facebook. Nous allons nous évertuer à répondre à vos multiples questions. Merci.